Alors, Jonathan Beaulieu-Richard, boursier Alouette l'an passé, en 2012, vient tout juste de signer officiellement avec l'équipe où tu évolueras comme secondeur. Alors, premièrement, félicitations. Comment tu te sens? C'est sûr que c'est très spécial là, de revenir endosser l'uniforme là, des Alouettes de Montréal. C'est une équipe que j'ai grandi toute ma vie là, en regardant. Puis de venir endosser l'uniforme, ça, c'est un rêve de jeunesse, on peut dire. Un rêve de jeunesse. Et là, il y a une blessure qui est apparue à la cheville. Comment ça se passe? Mais c'est sûr que là, ça va être un peu de réadaptation là, pour les prochaines semaines. On espère là, revenir au jeu là, le plus rapidement possible. Dis-moi, tu viens tout juste de faire ton plongeon dans la Ligue canadienne de football, mais quelles sont, de ce que tu peux voir, les grandes différences entre la Ligue universitaire de football qui va super bien, qui prend en expansion, versus la Ligue canadienne? Je crois que la transition s'est faite assez bien. C'est sûr que les joueurs sont un peu plus rapides, beaucoup de talent sur le terrain. Mais sinon, je pense que c'est un témoignage à mes entraîneurs là, au cours justement de la Ligue universitaire canadienne. Elle nous prépare très bien à cette transition-là. Puis je pense que c'est beaucoup de crédit à nos entraîneurs qui nous préparent. Dis-moi, Jonathan, tu as été reçu, tu es pharmacien officiellement. Comment tu as réussi à combiner tes études puis ta carrière de foot pour en arriver jusque-là à l'âge de 24 ans seulement? Mais c'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais c'est sûr aussi que c'est beaucoup d'aide là, à la fois nos collègues en classe, nos parents. C'est sûr que j'aurais jamais pu réussir tout ça là, sans l'aide de mes parents. Puis c'est sûr que sinon, c'est de faire des sacrifices, travailler fort, puis c'est ça l'essentiel. Là. En terminant, ce serait quoi ton plus grand rêve en football, mais aussi pour ton après-carrière quand tu auras accroché tes crampons? Mais c'est sûr qu'en étant que en avoir mis le travail là, pour devenir pharmacien, donc je me suis un peu assuré là, d'une belle retraite. Donc c'est sûr que pour l'instant, je profite là, de tous les moments que j'ai au football, puis je m'amuse parce que je sais qu'après ça, là, j'ai une belle profession qui m'attend. Bon, mais t'es très inspirant. Bonne poursuite et prompt rétablissement. Merci beaucoup.